l'occasion d'inaugurer ce soir le musée du déchet, qui ouvrira ses portes à tout le monde. La soirée s'annonce festive. Bonheur toujours, la France se positionne pour la 5e année consécutive dans le trio de tête des pays vie durable, avec un des bonheurs intérieurs bruts par habitant les plus élevés d'Europe. En effet, près de 30 ans après l'instauration de la politique Transition 2050, il semblerait que nous... Bon, éteins-moi cette radio, ça me fout le cafard. Allez, on s'y met. Qu'est-ce qu'on a à l'ordre du jour? Alain, assieds-toi. Pas d'ordre aujourd'hui. Ceci est une intervention. Qu'est-ce que tu me racontes là? Comment ça une intervention? C'est mardi là. Le mardi c'est réunion pour les plans contre les pacifascistes. Non, voilà. C'est une intervention pour toi, Alain. On en a discuté tous ensemble. On peut pas continuer comme ça, on va droit dans le mur. C'est fini là, ils ont gagné, il faut que tu te rendes à l'évidence. Hein, on peut plus rien faire à notre niveau. J'ai fait les comptes, Alain. On fait banqueroute. Dans 2 mois. Si on fait rien, on met la clé sous la porte. Et encore. Tu as fait tout ce que tu as pu, importer toujours plus de produits moins chers avec des emballages festifs colorés. Mais ça ne fonctionne plus. L'ennemi leur a tous lessivé le cerveau. Ça vend plus tout ça. Il faut le se rendre à l'évidence. Ils sont tous addicts au zéro déchet et au local maintenant. Non. Non, je suis désolé, je peux pas voir ça. Ça me rappelle trop les incinérateurs, cette histoire-là. Pardon. Ils les ont fermés un à un. Devant nos yeux. Non. Non, mais arrêtez ça tout de suite, quoi. Les mines de silence, c'est pour les vaincus, les perdants. Alors comme ça, vous les capitulez. Hein, vous les fermez notre hypermarché. Hypermarché. C'était notre idée. On s'en occupait pendant des années, avec fierté, dans la joie. On a vendu du jetable. Les gens partaient, le sourire aux lèvres. C'est ça qu'on vendait, nous. Du bonheur. Et tu veux quoi, Christine? Qu'on se mette à vendre du bio, du éthique, comme 99% des produits vendus? Ou alors mieux encore, peut-être une petite épicerie. Hein, tu voudrais peut-être ouvrir une petite épicerie. Hein? Bonjour, je suis une petite épicerie de quartier. Je vends du bio, du éthique, des produits frais, de saison. 0% déchets depuis 25 ans. C'est ça que tu veux? Justement, c'est ce qu'on avait imaginé. Diviser l'hypermarché en une multitude de petits commerces de taille raisonnable, qui propose des produits artisanaux, locaux, bio. Il faut se rendre à l'évidence. L'indus, le jetable, ce ne sont plus des marchés viables. Lisa, aide-moi, il devient tout rouge, là. Oui, on a déjà bien bossé et on a plusieurs pistes pour améliorer notre infrastructure et accueillir de nouveaux consommateurs. Consommateurs? Tu veux lui faire faire une crise cardiaque? Ouais, oh, attends, enfin, autant appeler un chat un chat. On fait une intervention, faisons-la correctement. Consommateur. Mais Isabelle, je vous dérange pas, non? Ah, c'est marrant votre histoire! Mais moi, je vais pas me soumettre aux normes. Il faut respecter le producteur, le client, la planète. Ah, elle a bon dos, la planète! Bon, c'est pas parce qu'on a malencontreusement créé un 7e continent avec quelques petits sachets de plastique ou pollué un petit peu l'air avec 2 ou 3 incinérateurs qu'il faut mettre fin à toute une ère! Mais disons que l'ère, elle est déjà bien fini. On est les derniers à résister encore. J'en discutais avec Alex et on est une espèce en voie de disparition, Alain. Mais oui, il me fait rire, il me dit hey, c'est bien la seule espèce qu'on n'est pas triste de voir éteinte. Moi, ça m'a fait marrer. C'est... Nous sommes les derniers représentants de la France croissante. Oh, la croissance! J'ai dit la croissance! Oh, la croissance! Nous sommes les derniers représentants d'une période de ceux qui ont inventé le pouvoir d'achat et la récession, de la pub et des promotions. On va quand même pas se laisser faire par quelques millions d'éco-branleurs, non? Révolution! 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 Alain, l'ennemi accroît. Il accroît si vite. Non, excuse-moi, c'est pas plutôt l'ennemi, il a cru.
La conjugaison. Accroît du verbe accroître, crétin. Substantif du verbe crétiniser, ce que tu fais sans arrêt. Je disais donc, l'ennemi accroît. Il accroît si vite que nous serons bientôt déchus. Je pense à tous nos confrères déjà tombés. Nous avons pensé à une solution, Alain, pour nous éviter la faillite. T'arrêtes tout de suite, Christine, c'est non. On va continuer de se battre. Nous sommes trop laissés faire. Mais c'est fini la soumission. Nos attaques étaient trop faibles. Le slogan, tiens. Pétrole, plastique, patrie. Ça n'a jamais pris. Faut dire que c'était une idée de Samuel, alors. Donc on va se retrousser les manches et retourner au combat et ne pas rester dans cette merde. Merde! On ne devait pas recommencer, là. On va continuer de se battre, je vous ai dit. La monarchie populaire, c'est terminé. Les jeux d'hiver, quand tout foutu par terre, les industriels qui reprennent le pouvoir. Alors, voilà ce que je vous propose. L'infiltration. Samuel, tu vas rejoindre les rangs de ces citoyens soi-disant éco-responsables. Attention, il va falloir te concentrer, être à l'affût. Trouver la faille. Mais cette fois-ci, grâce aux informations de Samuel, on aura des informations précises sur leurs actions. Tu commences demain. Et attends. Je t'ai trouvé quelques fringues un peu passe-partout. Avec ça, tu vas rejoindre un comité de quartier. Tu leur dis que tu as tout compris. Que le gène des déchets, c'est derrière toi. Que tu étais sous l'influence de je sais pas moi, des colorants industriels. C'est le genre de conneries qu'ils adorent. Mais avant, je vais vous faire voir quelques images de leur dernière agora réunissant tous ces pacifascistes. Mais attention, quelques images risquent de heurter les plus faibles d'entre vous. Christine, il ferait mieux de partir. Je sais pas où, mais moi, cette histoire, ça m'a retourné l'estomac. Tu veux un verre? Hey! Samuel, fais gaffe avec ton verre. Oh! On n'en trouve plus des comme ça, c'est un collector. Je l'ai trouvé sur le bon coin de l'étage. On a coupé une blague. La France au polo, c'est fini. Pétrole, plastique, patrie, c'est l'avenir, on vous le dit. Et au misère, on a famille, l'industrie est au tapis. La France au polo, c'est fini. Pétrole, plastique, patrie, c'est l'avenir, on vous le dit. L'industrie est au tapis, mais on n'a pas fini de crier révolution! Non, révolution! Non, croissance en option! Non, révolution! Non! Non, vraiment, ça va.
Tiens, cette plastique là. Vite. Oh. Là, je viens de faire un truc là, c'est vraiment biodégradable.